Ben voilà, bonjour à tous. Ici François du réseau Transition et je suis bien accompagné pour ce petit moment qu'on va passer ensemble pour travailler sur l'amélioration du site web de vos initiatives de transition. La question, c'est ben voilà, il y a des outils qui sont à disposition des initiatives de transition. C'est pas toujours simple, on n'a pas toujours toutes les infos, nous dit-on. Et donc voilà, Solène nous a contacté pour faire une rencontre sur ce sujet, et on s'est dit ben, pourquoi pas élargir ce petit moment à d'autres personnes. Et il y a notamment Gilles aussi qui nous a rejoint, et je vais leur demander de se présenter. Donc Solène, moi je fais partie de l'équipe UCL en transition. Et Gilles? Et moi donc ouais, Gilles, je ne sais pas si on me voyait déjà, je suis de Vocra en transition, qui est Wezenbeek Open et Cranem, qui sont regroupés pour faire un petit réseau de transition. Génial. Et le but du jeu, ben c'est de se poser quelques questions par rapport au site web. Et donc, on va essayer aussi d'enregistrer séquence par séquence. Donc, ici, on enregistre tout pour les gens qui veulent se faire la totale, qui s'embêtent le soir et qui ont envie d'en savoir beaucoup plus. Et on va aussi essayer de découper ça en séquence pour les gens qui ont des questions spécifiques. Est-ce que ça vous dit que je fasse une petite séquence de 5 minutes pour expliquer c'est quoi le site essentiel des initiatives de transition? Ouais. Ok, c'est parti. Là, je fais ma séquence. Voilà, petite séquence, donc toujours avec Solène et Gilles à propos du site web des initiatives. C'est quoi le site essentiel? Voilà, alors si vous allez sur si.réseautransition.be, le site des initiatives de transition. Et petite pause, je vais juste partager mon écran pour. Comment ça marche? Voilà, pour Gilles. Donc, si.réseautransition.be, c'est le site qui présente ce que l'on vous propose, c'est-à-dire un site clé en main pour les initiatives. Donc, si.réseautransition, la première page, on vous explique dans les grandes lignes ce que c'est, comment ça fonctionne. Concrètement, c'est pour les gens qui veulent démarrer, qui disent, ben oui, nous, dans notre initiative de transition, on serait très heureux de pouvoir bénéficier d'un site web. Et comment est-ce qu'on fait? Ici, on vous répond à cette question. Et puis, il y a une FAQ, les questions. On essaie de recenser les questions que les gens se posent régulièrement, avec notamment le premier point, comment démarrer avec le nouveau site web? Et là, vous verrez qu'on vous envoie sur le site du réseau transition.be, avec plein déjà de petites vidéos qu'on avait tournées avec nos amis d'Odorgame en transition cet été, en juin 2019, je pense. Juin, juillet 2019 plutôt. Voilà, on nous voit ici en compagnie des gens d'Odorgame en transition. Donc, rendez-vous sur si.réseautransition.be pour voir toutes ces pages. Alors, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Ben ici, je tape UCL en transition. Je tombe sur leur site web et magie, ce site web d'UCL en transition est propulsé par l'essentiel. Si je vais sur l'accueil, on voit les différentes pages de leur site. Voilà, différentes sections. Voilà, on voit un petit souci avec certaines images. À mon Ah avis, oui, c'est c'est lié ça. au HTTPS. On va pouvoir répondre à cette question Ah oui, c'est vrai. ou résoudre ça. Il est déjà pas très beau, donc si, encore là, il est encore plus moche. Et donc, ils ont, à partir de là, ils ont l'occasion, ben, par exemple, le projet, ils veulent rajouter quelque chose sur un nouveau projet, par exemple. Ils cliquent, parce qu'ils sont logués, ils cliquent sur modifier la page. Et en fait, derrière ces sites essentiels se cache un moteur WordPress. Donc, ce sont des sites WordPress. Les sites WordPress, voilà, c'est assez répandu sur la toile. C'est un outil qui permet plus ou moins facilement de faire des sites web. Et donc, ici, on voit voilà, une description. Imagine la place Saint-Job, une des pages du site. Ils peuvent rajouter des photos. Voilà. Et donc, ils sont maîtres de leur site web. Et ce qu'on propose au réseau de transition, c'est d'installer gratuitement ces sites pour les initiatives. Et donc, vous ne devez pas spécialement acheter de nom de domaine. Hop. Et on va regarder sur le site de Gilles, Wokra en transition. Je l'ai mal tapé, mais Google. Ah, c'est pas ça.
wokraentransition.be. Ben là, c'est toujours un site essentiel, mais eux, ils ont acheté le nom de domaine wokraentransition.be et on l'a relié à leur site essentiel. Donc, c'est une autre possibilité. Si vous avez 10 euros par an à donner pour acheter un nom de domaine, c'est une bonne solution pour avoir plus de visibilité. Et donc, voilà, ici, on 5 euros. 5 euros dans notre cas. Encore mieux. Et donc, voilà, ici, un chouette site web. Vous voyez que les deux sites sont différents. Chaque initiative a l'occasion de décorer son site comme ils veulent, d'appliquer des... On ne sait pas comment faire. Ah, par contre, on ne sait pas comment faire, Lovie Savène, elle a bien raison. Et donc, voilà, imaginons que je suis, moi, dans Wokra en transition, Wesembeek Open Krainem, voilà, je veux modifier cette page-ci, eh ben, je me log et je peux l'éditer. D'ailleurs, c'est WP. On a changé de nom il n'y a pas très longtemps, on est Wok en transition, c'est pour ça que tu as le nom de domaine qui est Wokra en transition, et en dessous, tu vois, les JPEG qui sont Wok en transition. Ah oui, c'est pareil, les deux. Tu peux faire Wok en transition ou Wokra en transition, les deux redirigent, parce qu'on a le site. Je vais essayer de me loguer pour montrer. Voilà, je me suis logué. J'ai un petit menu ici en haut. Je veux modifier l'article, par exemple, pour rajouter. Et donc, ce qui est sympa, c'est dans ce genre de site, les gens peuvent aussi être plusieurs administrateurs, plusieurs à gérer le site. Il y a plusieurs possibilités d'avoir plusieurs logins. Ce qui est sympa quand il y a une équipe de plusieurs personnes. Je vais me rapprocher de Solène, comme ça, vous la voyez aussi. On peut voir son nom verbal pour que je comprenne quand je ne suis pas clair. Hop, voilà. Alors, en attendant que ça charge, un dernier truc important, c'est que dans la transition, on essaye de développer des outils d'intelligence collective. Et donc, l'idée, c'est que c'est pas un expert unique du réseau de transition qui vous aide à mieux comprendre comment ça fonctionne, mais on est plein de gens qui pouvons nous entraider, pour développer les sites web. Et donc, il y a un groupe, voilà, outils IT pour initiative, un groupe qui nous permet d'échanger dès qu'on a des questions techniques pour nos initiatives de transition informatique, quoi, vous allez dans agora.réseautransition.be, dans le groupe outils IT pour initiative, et là, vous pouvez, voilà, échanger. Et par exemple, on voit ici analyse de navigation du site essentiel, il y a des questions, et vous pouvez vous-même répondre à des questions. Rejoignez le groupe, c'est important de pouvoir travailler dans cette dynamique-là, selon nous. Voilà, et donc, on parlait de la page mobilité, mais voilà, je peux moi-même facilement éditer leur page, mais je viens de la remettre à jour. Voilà pour une petite intro. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter, Gilles, Solène, des choses que je n'ai pas mentionnées? Voilà, là on a fait sur comment faire une page. Après, voilà. Dessus, tu peux aussi mettre des événements, des articles. Donc, il y a encore d'autres possibilités. Ouais, merci. Gilles, quelque chose à rajouter? Ouais, mais c'est ça, mais à la base, tu as l'outil WordPress, quoi. Donc, déjà, c'est juste avoir en tête le vocabulaire de WordPress, pour rendre compte qu'il y a les événements, que c'est qu'une page qui n'est pas la même chose qu'un article, pourquoi une page n'est pas la même chose qu'un article, ce qui est dans ce qui est à gauche, là, dans le site, ce qui est un plugin et ce qui est un outil intégré de WordPress, déjà, pour moi, c'est pas évident. Il y a des trucs qui sont pas à jour, tu vois, on a MailPoet et puis on a la version 1 et la version 2, et ça fait deux articles dans le menu. Mais il y a des trucs qui sont pas, tu vois, quand tu ne connais pas WordPress au départ, c'est pas évident. Voilà, c'est toutes les choses qu'on va creuser dans la suite de cet échange. Ok, je vais couper cette vidéo-ci. Génial. Alors, merci à tous les deux. On a listé, Gilles, un certain nombre de points, et je vois aussi que tu as pas mal de questions. Donc, il y avait un point carton que tu veux toujours aborder ou pas? C'est pas vraiment... Non, on a vu tout à l'heure. Donc, à mon avis, il y a beaucoup à faire sur WordPress, hein, parce que
Moi, tu vois, j'ai déjà visité, j'ai retrouvé le document que j'avais envoyé à une époque parce que je voulais changer la configuration de notre site internet. Et je vois qu'eux, ils ont réussi à faire un truc qui est quand même déjà vachement sympa et vachement. Et donc, tu vois, j'ai déjà pas mal de questions. Okay. Donc, je pense qu'il y a matière juste à faire WordPress. Après, pour la carto, ça, j'ai chipoté. Après, alors. Ou même, ouais, je regardais aussi de mon côté avec ce qu'il m'a montré. Et Agora, je ne sais pas si Gilles est sur Agora. Je le suis régulièrement, j'interviens de temps en temps et j'ai une question en plus là-dessus, c'est est-ce que c'est complété par hasard d'un espèce de stockage, parce qu'on aimerait bien pouvoir au moins pour nos communications internes se passer de Facebook. Ah ben on pourra faire un point Agora là. Ouais. Cool. Agora, Facebook. Et donc là on fait juste l'ordre du jour. Gilles, toi par rapport au site, est-ce que tu as concrètement des. Ouais, je me suis noté au fur et à mesure qu'on parlait de trois petits trucs tout con. D'abord sur les bases essentielles. Pourquoi vous avez passé sur un système de blocs? Qu'est-ce que ça apporte à l'utilisation du système des blocs? Qui m'a un peu largué quand vous avez basculé là-dessus. Et puis, alors j'ai eu une question pratique toute conne. Régulièrement, on a quelqu'un qui écrit un article et dans la signature de la personne, je veux mettre l'adresse email, mais je veux pas que l'adresse email soit récupérée par un bot, et donc je mets un JPEG. Bloc. Une question sur la signature dans les mails. Ouais, la signature dans les mails. Donc je veux pas que ça puisse être récupéré par un bot. Donc ce que je fais, c'est que je mets un JPEG en dessous du nom, un JPEG qui est le texte avec l'adresse email, mais sous une forme qui est récupérable. Et ça, je suis limité dans la mise en page. J'ai pas trouvé de solution pour qu'il n'y ait pas d'espace entre mon texte et l'image qui est juste en dessous. Okay. C'est un tout petit point de détail, mais en fait, ça montre un petit peu en quoi je suis un peu gêné par le bloc, par le système du bloc. D'accord. Si je te donne je continue un ou deux points ou tu veux attaquer? On va accueillir Anne et Sylvie et puis on revient à tes points, ok Gilles? Ouais, pas de problème. Hello Anne! On ne t'entend pas. Si tu nous entends, c'est cool. Et a priori, ton micro n'est peut-être pas allumé. Et Sylvie? Hello Sylvie? Est-ce que tu nous entends, Sylvie? Nous, on voit que tu es présente. On imagine que tu nous entends, mais rejoignez-nous avec le son. Et Sylvie, je sais que tu as mon numéro de téléphone, mais aussi un souci technique. Tu peux soit envoyer un petit mot par le chat, même chose pour Anne, ou bien tu peux m'envoyer un petit SMS. Mais voilà. Du coup, en attendant qu'on puisse entendre Anne et Sylvie, on va reprendre. Gilles, et tu peux juste annoncer le sujet du point qu'on abordera. Ouais. Cool. Très bien. Bah alors, moi, j'ai le calendrier. Donc, c'est exactement la situation que je t'ai décrite tout à l'heure. On a un petit calendrier qui fonctionne bien, mais je ne sais même pas ce que c'est. Et je ne sais pas comment le paramétrer, comme je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, les infos du calendrier sont en anglais, par exemple. J'aimerais bien pouvoir changer ça. Donc, la question que je t'ai posée sur l'outil de stockage avec Agora Kit, je ne sais pas ce que tu viens de dire. Oui. Et puis, la dernière question que j'avais, c'est une question qui a déjà été posée sur les forums, mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante des outils qui puissent remplacer Google Analytics. Et de préférence, évidemment, des outils pas payants, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir des stats super précises, mais avoir un outil de stats global sans avoir besoin de mettre sur chaque page un compteur ou un truc comme ça, déjà, ce serait très bien. Ok. Outil de stats, alors. Merci à Solène qui fait notre petit ordre du jour sur le tableau. On démarre par. Bon, on peut barrer Carto, alors, et je propose de démarrer par Agora. Vos questions Agora, comme ça c'est évacué. Anne et Sylvie, n'hésitez pas à prendre la parole, on ne vous entend toujours pas. Mais voilà, on imagine que vous êtes là. Ah voilà, coucou, je vous entends bien, mais je n'ai pas de micro. Sylvie n'a pas de micro, pas de souci. Et on imagine, Anne, que c'est la même chose. Et voilà, on voit quelqu'un qui écrit un petit chat. Voilà, Anne, pas encore de mini-site, je me contente de suivre. Eh bien, bienvenue. À toutes les deux, vous pouvez mettre dans Anne, je ne sais pas de quelle initiative ou quel groupe, quelle région tu es, donc n'hésitez pas à vous présenter dans le petit chat et on fera
On vous présentera nous oralement du coup. Alors, on va faire une petite séquence Agora. Share. Voilà. Voilà, et donc toujours dans ce webcast, l'idée est de vous présenter l'outil Agora en 2 secondes. Et puis, on a ici des questions concrètes. Pour rappel, l'outil Agora, c'est un outil qui est mis à disposition des acteurs de transition et qui sert d'outil de forum. Essentiellement, ça permet d'avoir des échanges sur différents sujets. Vous pouvez créer un groupe en quelques clics. On va prendre un exemple justement avec le groupe Outils IT pour Initiative. C'est le deuxième groupe que j'avais créé à l'époque. Et donc, on voit ici à propos, on voit toutes les discussions. On voit qu'il y a plein de nouveaux messages que j'ai pas encore pris le temps de consulter, c'est pas bien. Et donc, je peux tranquillement répondre aux questions. Et aussi, possibilité d'avoir un agenda, de déposer des fichiers. Gilles, c'est peut-être ça qui pourrait D'accord, t'intéresser. ouais, tout à fait. La section participants, c'est cool, on sait voir qui est présent. Et moi, pour ma part, je sais aussi voir quelle est la fréquence de notification parce que je suis admin. Mais ça, c'est donc les administrateurs qui peuvent aussi voir, voilà, quand les gens s'inscrivent, s'ils ont envie de mettre leur localité, ben on peut avoir une petite carte des participants. Et puis, voilà, les gens peuvent décider eux-mêmes, et c'est une belle fonctionnalité, s'ils veulent recevoir des emails quand il y a des nouveaux messages, et si oui, quand? Est-ce que c'est chaque heure, chaque jour, chaque semaine? Voilà, donc on pense que c'est un très chouette outil. Ça a été développé donc par Philippe Jadin, qui continue à mettre plein d'énergie dans ce projet pour le plus grand plaisir des acteurs de changement. Et donc voilà, je pense qu'ici, il y a plein de groupes. Je regarde rapidement. Je ne sais pas combien, mais c'est Et comment voilà, tu au moins fais pour aller 80. là-dessus? Donc là, je suis arrivé dans mes groupes et puis tous les groupes. Et donc, vous Ah voyez que ouais. là, par exemple, nos copains du réseau de soutien des transitionneurs, ils ont créé un groupe. Là, ils ont voulu qu'il soit privé parce que ils ont des échanges qu'ils ont envie d'avoir entre eux. Par contre, il y a d'autres groupes publics, comme ici, Outils IT pour Initiative. Voilà. Et vous voyez plein de groupes. Il y a le GRAC aussi qui est présent. Et donc, voilà, je terminerai cette petite intro en vous rappelant que vous pouvez tout à fait créer votre groupe. C'est gratos et ça se fait en quelques clics. Là, un exemple, c'est un outil qu'on a utilisé pour préparer un événement, la Conviviagé de 2018. Et donc, Gilles, ben voilà pour l'intro. Gilles avait une question sur le stockage. Et donc, en effet, il y a une zone de fichiers où on peut rajouter des fichiers. Je fais un exemple. Ajouter des fichiers. Voilà, la photo que j'ai prise tout à l'heure. Alors, on a un système d'étiquettes. On peut créer des étiquettes, c'est des tags, on dit aussi ça. Donc, étiquette, voilà, je valide mon fichier. Il est présent. Alors, on va juste. Faire un petit test. J'espère que ça ne va pas déranger trop de gens qui sont abonnés à ces discussions-là. Mais du coup, je vais aussi mettre le tag site, test de discussion sur les sites. Voilà, je commence une discussion, je l'ai tagué site, et donc l'idée, c'est de pouvoir se retrouver un peu plus facilement avec ce système de tag. Et donc, je clique sur site, je vais retrouver à la fois la discussion que je viens de créer et le fichier. Et vous pourrez imaginer par groupe thématique, par exemple, si un groupe mobilité dans notre initiative ou un groupe transition intérieure, vous allez utiliser à chaque fois le tag transition intérieure pour faciliter la navigation dans votre groupe. J'ai répondu à ta question, Gilles? Ouais, c'est chouette. De quel espace on dispose pour chaque groupe pour déposer des fichiers? Pour l'instant, c'est gratos, faut pas exagérer. D'accord. Donc, Et donc. c'est pour des petits fichiers, mais a priori, il n'y a pas de limite, quoi. Si on reste sur des fichiers, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, avec cette notion qu'on sait que ben, l'informatique émet plein de carbone et qu'au niveau durabilité, il faut vraiment faire gaffe à ça, ben, stockons les fichiers vraiment pertinents. Il y a des systèmes d'échange de fichiers, si on transmet des grands fichiers qui stockent les fichiers en ligne pendant une semaine. Et donc, voilà, si c'est juste pour le transfert de fichiers, il y a d'autres outils pertinents. Ouais. Mais sinon, profitez de cet espace-ci. C'est vrai que ça peut remplacer des groupes Facebook ou autres.
Et surtout que ce que j'ai pas dit, ce qui est génial avec ce système-ci, c'est imaginons qu'il y a eu Clean Transition, ils utilisent cet outil depuis un petit temps, les nouvelles personnes débarquent dans le Clean Transition, elle se rend sur l'Agora et du coup elle a aussi accès à tous les échanges qu'il y a eu par le passé et elle peut retrouver un peu les traces. Solène, tu avais une question sur l'Agora. Oui, alors justement, on peut stocker plein de fichiers. Nous, c'est le cas avec le plan transition, mais les gens qui ont déposé des fichiers sur l'Agora, parce qu'à l'époque, c'était intéressant et pertinent, ben là maintenant, ils sont vieux, ils sont plus d'actualité. Et donc, d'autres fichiers, les mêmes, viennent s'ajouter. Mais comme les personnes ont quitté le groupe, moi, je peux pas effacer, supprimer les fichiers qui sont Et c'est quel groupe Agora? Alors, c'est dans Ah, c'est Plan Clean Transition. Transition. Et tu vois, c'est tous les trucs. Donc là, on va aller sur le site groupe 12 qui est Clean Transition. Ah non. Non, c'est ça. Groupe, hop. Et donc, si je vois donc Voilà, Clean Transition qui là. est un groupe privé, mais moi je suis admin et donc je peux un peu tricher. Et donc, on va regarder déjà qui est admin dans ce groupe-là. Voilà, ok. Voilà, il y a Isabelle. Ah ben, Solène, toi tu es admin. Ben ouais, mais Et donc, c'est. si tu vas dans Files et que tu cliques. Alors, si par exemple, je prends un vieux drôle. Et donc, sa question c'est comment est-ce que je peux effacer des fichiers? Et donc. Ah bah sinon, je peux. Voilà, maintenant elle Voilà. peut. Et donc, par exemple, elle voulait OK. effacer un vieux fichier. On clique droit ici et puis effacer. Voilà. Et donc, effectivement. Et est-ce que ça marche? Minute. Voilà, ça OK. efface. Et donc, c'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait, OK. la possibilité de faire du cleaning. Et ici, c'est chouette, on voit que dans leur groupe, Uclan Transition, ils ont des petits tags. Donc, par exemple, le tag monnaie qu'ils utilisent assez bien parce que ce sont des acteurs incroyables de la monnaie complémentaire bruxelloise, la zine. Et pas que, nous sommes, tu aurais pu t'arrêter à incroyable. Incroyable, Voilà, incroyable tout court. incroyable. Nous sommes des acteurs incroyables. Voilà. Voilà, et donc on va essayer tous les tags qu'ils ont utilisés dans. Ah non, ça c'est tous Non. les tags globalement. Ben oui, on n'est pas aussi créatif. Voilà, on a collapsologie et du coup on peut voir voilà, tous les groupes, et voilà, ça, dans le compteur de transistor, il y a des discussions aussi. C'est une manière aussi de naviguer dans Agora. Ok, bah super. En Alors, tout cas, moi, parce que j'avais essayé, ça ne fonctionnait pas. Anne et Sylvie, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'Agora? Si oui, c'est le moment de poser la question dans le chat. Par contre, dans l'Agora, on ne peut pas partager des documents sur lesquels on travaille ensemble. Non, il n'y a pas la fonctionnalité comme un Framapad. Oui. C'est intéressant comme question parce que un truc chouette, un truc, imaginons, voilà, on a un groupe, un collectif, on est fatigué de Google, on en a marre, on est fan de Frama. Très bonne idée. Et donc, on va faire un Framapad, c'est-à-dire un fichier partagé. Donc, je vais sur Framapad. Je vais lancer une discussion. Vous connaissez un sort de Frama? Test. Voilà, bah, il me donne un nom comme ça, on va l'appeler test. Ucle, qui va être disponible pendant un jour parce qu'on sait que c'est juste un test et qu'on pense à notre impact carbone. Et donc voilà, ici j'ai mon pad qui est en train de se charger et je veux rajouter comme fichier parce que c'est un fichier partagé. Et du coup, je retourne dans les fichiers du plan de transition. Je vais ajouter un fichier, mais en fait je vais créer un lien. Et du coup, les liens sont créés comme des fichiers. Du coup, ici, je vais copier-coller le lien vers le Frama. Et c'est document, partager, test. Et du coup, lorsque les gens vont dans la liste des fichiers, ils verront comme un autre fichier ce document, partager, test. Sauf que c'est notre fameux Framapad. Si je clique ici, j'ouvre le Framapad. Plutôt pas mal, du coup, ça nous Ok, permet ouais, c'est de naviguer. Et donc, il y a des gens qui utilisent ça avec des Google Drive, parce que pour l'instant, c'est l'outil qu'ils utilisent. Et donc, il y a vraiment moyen de faire des liens entre Agora et le monde extérieur de gestion de fichiers. un compromis, quoi. Voilà pour cette question. Je propose de clôturer ici. Je vois pas de questions à nous suivre. Hop.
Eh bien, cool, on va passer à la question 6. C'était. Il y a une question de Sylvie, je ne sais pas si tu la vois dans le chat. Ah, merci. Non, je la. Ah, voilà, merci Sylvie. Y a-t-il moyen, dans un groupe privé, de limiter avec les tags l'accès aux discussions juste aux gens concernés? Oui. En fait, si jamais il y a un tag. Donc, si c'est un groupe privé, le contenu ne sera jamais que accessible aux gens de ce groupe. Donc, les fichiers monolocales, juste aux gens intéressés par le thème. Ce qui est partagé dans un groupe est partagé avec tout. Oui, non, je crois que je comprends ta question. Tu dis, OK, tu as un grand groupe de ton initiative, tu veux uniquement partager les sujets mobilité avec les gens qui sont intéressés par la mobilité et que tout le monde ne reçoive pas de mail. La réponse est non, malheureusement non. Et c'est une demande que j'ai encore entendue tout à l'heure. Donc c'est pas encore le cas et du coup, à Etorbeek en transition, par exemple, on a un groupe général Etorbeek en transition et puis on a un agora, par exemple, pour notre groupe de transition intérieure. En nous disant, mais voilà, là, on peut vraiment se lâcher dans cet agora-là pour le groupe de transition intérieure. Ceux qui veulent nous rejoindre peuvent. Et on segmente du coup un peu l'info. Alors, c'est aussi une volonté qu'on a dans Agora ou que Philippe Jadin a essayé d'avoir, c'est avoir un outil qui est accessible pour ma grand-mère. Voilà, pas trop compliqué que n'importe qui puisse utiliser Agora. L'avantage, c'est que c'est accessible. Le désavantage, c'est que du coup, il y a certaines fonctionnalités qui sont limitées. Mais c'est voilà, c'est toujours une question de choix. Est-ce qu'on rajoute cette fonctionnalité-là ou pas? Si vous voulez aller dans des méga outils de gestion de forum, je vais juste vous donner le nom de l'outil open source le mieux. Là, je l'ai oublié. Ah oui, ça s'appelle Discourse. Donc, si vous cherchez un autre outil qui a plein de fonctionnalités, c'est Discourse, voilà, ce software-là. Civilized Discussion. C'est open source, c'est vraiment, vraiment pas mal. Voilà, en attendant, du coup, Agora. Un peu à certaines limites que tu mentionnes ici, Sylvie. Voilà. Alors, le point 3, c'était site. Tu as encore d'autres questions sur ton site? Agora, sur le site, là, moi, j'ai en fait j'ai plein de questions, mais sur le site, quand on regarde sur la gauche, mais n'était pas sur enfin, bon, moi, nous, déjà, il est moche, le site. Et donc, j'aurais aimé savoir à quel point on peut l'améliorer avec, mais on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait. Voilà, on voulait un truc comme ça, avec quelque chose d'un peu plus dynamique, avec des logos, des trucs comme ça. Mais ça, je ne sais pas du tout où on les trouve. Et puis ensuite, sur le WordPress, il y a des blocs, enfin je ne sais pas à quoi ça Le sert. système de blocs. Oui, enfin, je ne comprends pas. Je... J'ai lui aussi se poser la question. C'est peut-être un point intéressant à avoir le système de blocs. Et puis après, je vois ta question sur comment améliorer Ouais, graphiquement ok. le site. On fait la question des blocs, comme ça répond à Ouais, JV. et quand je parle de bloc, c'est... Donc là, il y a tous les trucs ici en haut, et puis, bon, il a un peu de mal, Ah oui. tu vois, voilà, tout ça ici est formidable, Weepy Event Aggregator, Mailpoot 2, apparence, tout ça, moi, je ne comprends rien du tout. Et je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais Eh ben voilà, on va c'est... répondre à ces deux questions-là alors. Et je regarde juste ici Anne et Sylvie. OK. Hello. On attaque une autre question à propos du site web.
C'est la question de l'interface admin. C'est vrai qu'ici, on est sur le site de Wokra en transition et il y a plein... Ça fait un peu peur, cet écran d'accueil. Mm-hmm. En gros, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses? C'est parce que c'est un site partagé par toutes les initiatives. Et il y a des initiatives qui nous ont demandé de rajouter des modules. Et du coup, ces modules sont rajoutés chez tout le monde. Et donc, on cherche toujours le bon compromis entre de répondre aux besoins des initiatives et aussi pas alourdir les sites de tout le monde. Et donc là, on a peut-être allé un peu trop loin. Mais quelles sont, je vais juste présenter du coup les sections qui font peur, c'est vrai. Alors, il y a ici tous les articles. Events, c'est la possibilité, et il y a WP Events, c'est deux modules différents. Et donc là, il y aura sans doute un peu de cleaning à faire pour voir qui utilise quoi. Médias, c'est toutes les photos, donc votre bibliothèque en général de photos, mais aussi vidéos. La liste de toutes vos pages, donc articles et pages, c'est assez similaire, mais c'est des concepts différents dans WordPress. Si vous voulez checker tous les commentaires qu'il y a. Alors, formidable, c'est un outil pour gérer les formulaires. Si vous voulez demander aux participants à votre site, tiens, inscrivez-vous à un événement ou un truc comme ça, vous pouvez créer des formulaires. Et donc, je ne vais pas détailler ça maintenant, ouais. Mais en gros, en quelques clics, vous créez votre formulaire et puis les gens répondent et vous pouvez consulter les réponses à travers ça. Alors ici, oui, c'est vrai que c'est un module qui est utilisé par certaines initiatives pour aller prendre, pour mettre affiché sur leur site des événements, par exemple, de leur page Facebook, pour importer des différents événements sur leur site. Alors MailPoet et MailPoet 2, c'est des outils de newsletter. Et donc, a priori, choisissez MailPoet 2. Mais je crois que MailPoet, en fait, c'est MailPoet 3. Et donc, bref, on a dû garder les deux parce qu'il y a certaines initiatives qui ont uniquement utilisé MailPoet. Apparence. Du coup, la dernière newsletter, j'ai généré par exemple avec MailPoet 2 parce que je pensais que c'était le plus à jour. En fait, c'est MailPoet qui est plus à jour. C'est la version 3. À checker, mais je sais qu'ils ont fait un truc bizarre. Teste un peu les deux, mais c'est vrai que c'est compliqué et voilà, là, mon PC rame un peu, mais oui, à checker. Je pense bien que MailPoet et en fait MailPoet 3. Donc l'apparence, ça c'est très important si vous voulez changer le style du site web et ça on en parlera tout à l'heure. Extension, a priori vous n'avez pas trop accès à ça, je pense. Vos utilisateurs pour pouvoir gérer le site à plusieurs. Ah, Sylvie a sa webcam qui vient de s'allumer. Salut Sylvie. Et voilà, différents outils, c'est pour configurer certains modules. Et puis réglages. SEO, c'est si vous voulez améliorer la présence de votre site sur les réseaux sociaux. C'est Site Engine ou Search Engine Optimization. Ça, c'est l'intégration à MailChimp parce qu'il y a des initiatives de transition qui utilisent MailChimp et donc qui voulaient pouvoir faire le lien entre MailChimp, leur newsletter sur MailChimp et leur site web. Et Facebook Feed, c'est un module pour intégrer dans le site web des discussions dans Facebook. Voilà. Alors, il faut savoir que, et on va juste regarder ici, MailPoet, c'est... Ouais, alors, en fait, MailPoet, c'est MailPoet 3, c'est bien ce que je disais. Donc, le plus récent, je crois que c'est MailPoet. Ouais. Alors, en fait, il y a eu deux générations de sites essentiels. Et là, on est passé à si2.réseautransition.be. Et eux, du coup, cette interface-là, elle est arrivée un peu plus tard. Et je pense qu'ils ont un peu moins... Voilà, ils ne sont pas perturbés par l'historique de ce que j'expliquais, qu'on a installé des modules pour les initiatives au départ. Et du coup, que tout le monde doit utiliser ces modules. Je vais juste vous montrer une interface un petit peu différente. Voilà. Voilà, vous voyez qu'ils ont un peu moins de... Il y a aussi Formidable, mais il y a un seul truc, Events. Ouais. Donc voilà, eux, voilà. C'est un peu plus propre pour la seconde version. Voilà, je vois que Anne est à Pontacel, super. Et donc, si un jour Anne de Pontacel
veut créer un site web essentiel, elle va donc sur si.reseautransition.be dans la section concrètement et suit les instructions et on lui enverra un petit mail une fois que le site sera installé. Voilà pour la question de l'interface admin. Je propose d'arrêter ici sur cette question. Je peux te poser quelques questions, oui, sur l'interface admin, on t'arrête tout. Génial. Tu as expliqué donc pourquoi il y avait beaucoup de plugins, en particulier le fait qu'il y avait des choses, des plugins qui sont installés à l'échelle du site et donc tout le monde les voit. Si je veux faire des modifs, est-ce que je suis sûr que je ne risque pas de modifier les paramétrages des autres? Si je suis en module SEO pour faire connecter mon site à moi, je vais avoir un impact sur les autres. Hein. Oui, non, il n'y a pas de souci, c'est vraiment bien fait. Et donc, tu risques pas de faire exploser l'Internet en configurant ça ou d'impacter négativement les sites des autres initiatives. Oui. Ok. J'ai aussi une autre question dans les modules qu'on ne voit pas, parce que autant que je sache, c'est quelque chose qui se fait souvent par un système de modules. Est-ce que vous avez un système de backup du site? Oui, donc nous, c'est Actic, une ASL qui nous donne un coup de main pour l'informatique. Et donc, eux, on est sur leur serveur, et d'ailleurs, on peut les saluer, ils font du super boulot et leur faire un peu de pub. Voilà, Actic ASDL. Et eux, ils s'occupent de tout le stockage, les backups qui sont vachement importants. Et voilà, parfois, il y a des soucis, que ce soit, voilà, et c'est eux qui nous donnent des coups de main par rapport à ça. Et tout d'un coup, notre page a disparu, on t'appelle, on t'envoie un mail et toi, tu les contactes et ils font revenir via backup, c'est ça? Oui. Ok. Soit via l'Agora, soit un mail à info@reseautransition.be. C'est en fait là où on est plus réactif aujourd'hui. Moi, j'ai parfois un peu du mal avec mes sites, avec mes mails. Agora. Et du coup, info@reseautransition.be, vous avez toutes les équipes de support du réseau de transition qui bosse jour et nuit pour répondre à vos mails. Mais en tout cas, voilà, on essaie de dispatcher et ça s'est vachement amélioré depuis qu'on utilise ça. Et du coup, en direct, je vous montre comment modifier une page de votre site. Par exemple, ici, je veux changer l'adresse email auquel les gens doivent écrire pour faire la demande pour le site. Et voilà, j'ai modifié le texte ici et puis je fais update. Ma page s'update et je peux cliquer sur voir la page pour m'assurer que les changements ont eu lieu. Et génial, j'ai ici info@reseautransition.be. Est-ce que tu as d'autres questions, Gilles? J'ai d'autres questions, mais plus sur l'interface admin. Sur l'interface admin, ok, ben alors on va clore le chapitre interface admin. J'ai une question, ça veut dire que moi ici je peux enlever. Ouais, je peux enlever ici des choses. Tu peux pas enlever. Je ne peux pas les enlever, c'est ça. Ça reste. Okay. Il faut faire comme si elles n'existaient pas. Oh. Ouais. Oui, ben voilà, on fait preuve de créativité. Et je vais arrêter. Hop. Okay. Voilà. Comment ça va, Anne-Sylvie, Gilles et Solène? Ça va. Très bien. Une question dont je suppose qu'elle est très rapide à traiter, c'est la différence entre page et article, donc. C'est une bonne question et ouais. Je vais montrer sur le site du réseau Transition. Tu vois le site du réseau Transition? Enfin, tu vois mon Chrome? Ouais. Oui. Donc par exemple, le réseau Transition. On a des pages. Par exemple, on va décrire le site. C'est quoi la transition? Là, c'est pas une page qui va évoluer. Elle sera toujours on va peut-être la changer tous les 2-3 mois, mais a priori, c'est des pages statiques qui bougent pas. Les articles, c'est du contenu dynamique. On écrit un article de temps en temps. Et du coup, le contenu dynamique, lui, automatiquement, il va être ajouté, par exemple, ici, dans la section nouvelles. Dès qu'on publie un nouvel article, eh ben, il va automatiquement s'ajouter ici. Du contenu dynamique qui évolue. Ok, donc page, c'est du contenu statique. Article, c'est du contenu dynamique.
Oui, l'article vient à être écrasé par les autres. Au fur et à mesure où on en ajoute, il redescend dans la file. Voilà, exactement. Alors que par exemple, c'est sûr que les pages de contrat, les newsletters, ça ne doit pas bouger. Ce pas des articles, c'est vraiment des pages statiques. Et donc ça, c'est une page. C'est plus clair pour toi, Gilles? Oui, je pense que je vois. Ouais. Ok. Donc là, les questions du style, est-ce qu'on fait un petit moment, 10 minutes, pour essayer d'améliorer le site du plan transition? Ah ouais. On tente ça? Ouais. Hop là, voilà. On continue la petite séquence sur le site web avec le site TUC de Uber Transition. Et Solène, qui est ici à ma gauche, souhaite améliorer son site. Alors, on voit qu'il y a eu un petit souci déjà, à mon avis, lors du passage en HTTPS. Ici, on ne trouve plus l'image. Toi, tu les as? Ok. Alors, il y a un truc bizarre, je regarde juste un truc, comment ça fait que moi je ne les vois pas bien. Ok, un truc à creuser, il n'a pas l'air d'être content. Gilles, si tu checkes chez toi, tu vois sur x.réseautransition.be, tu vois les images? J'essaye. Il essaie un peu sur Chrome. Ouais, moi je la vois. D'accord. Alors, toi, ce qui t'intéresse, c'est ce qu'on a vu dans le site de Wokra, Wizenbeek Open Ukrainian. C'est par exemple. Le bandeau, là. Le bandeau qui bouge. Ouais. Ça, c'est. Voilà. Ok. Ouais, voilà, avec une photo, un texte. Comment je peux faire un truc dynamique sur le tableau, enfin, sur la page d'accueil. Ok. Alors, typiquement. Personnaliser, ça permet, vous voyez en haut le bandeau, j'ai cliqué sur personnaliser, ça permet de gérer l'aspect visuel d'une page. Et donc ici, je suis sur le site de Wokra en transition, du coup, on va découvrir leurs secrets, notamment le thème qu'ils utilisent. Donc là, c'est Katmandu Pro, qui est le thème qu'ils utilisent. Et on voit ici que dans ce thème, réglage de la page d'accueil, voilà. Voilà, feature slider. Donc, dans ce thème-là, ils ont ce slider. Et alors, là, ils peuvent dire, voilà, on veut 4, machin. Et ils sélectionnent des catégories qui sont affichées. Et là, du coup, c'est, ils ont créé une catégorie 0 qui s'appelle bannière. Et donc, dès qu'ils publient un article et ils rajoutent la catégorie bannière, ça apparaît dans la bannière. Okay. Bien joué. Et donc, on va aller sur le site de Hucle pour voir, mais tiens, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme thème. Donc, j'ai cliqué sur personnaliser dans le bandeau tout en haut. Et voilà, on voit qu'il y a un thème, le thème 2015, qui est le thème de 2016 de WordPress. Voilà. Et donc, imaginons que vous avez envie de chipoter, de tester d'autres choses. C'est ce qu'on va faire maintenant pendant quelques minutes. Je clique sur changer. Alors là, on fait des tests, on s'amuse, je vais prévisualiser du coup le catch Katmandou que nos amis de Wokra ou Wok en transition utilisent. Je fais un test de prévisualisation et montre ce que ça pourrait donner. Voilà. Alors on voit qu'il y a voilà, le menu est différent, il y a machin. Mais ça pourrait être un exemple du coup. Voilà, on voit ici du coup, vous avez ici le slider qui apparaît tout seul avec votre dernier article. Alors là, ça prend un peu de temps. Faut regarder tous les. Voilà, tous les. Tous les trucs, et puis, enfin, il y en a pas mille. Voilà, et plus, puis une fois. Ouais. Et puis regarder un peu, et après à l'intérieur. Et donc après, voilà. tu vas du coup dans image d'arrière-plan par exemple. Ben voilà, tu pourrais changer, et d'ailleurs, c'est l'image d'arrière-plan qu'on voit qu'ils ont mis ici.
Mais tu peux régler les menus, tu vois, le menu, tu peux. Mais comment on fait pour avoir leur truc avec le truc dynamique Ça, c'est le slider, feature slider. Ah non, suivant le thème que tu choisis, ici tu vas avoir un menu à gauche qui est plus grand, avec plus de fonctionnalités, plus de. Voilà. Donc nous, ce qu'on a choisi, enfin, ce qu'on a choisi quand on était petit, c'est assez limité, quoi. Il n'y a rien, il n'y a Voilà. pas grand-chose comme possibilité. Et donc il faut, si on dit éventuellement celui-là, Voilà, du coup, tu un peux un peu autre, jouer. il faut regarder après, mais après, moi, je ne comprends pas toujours. Ce qu'il y a dans les menus, après, pas dans les dans la barre Bon, voilà, à un d'accueil. moment, il faut se lancer. Donc, tu Et vois, vue, terre, version, du identification. pro, ouais, bah, voilà, ça c'est classique. Ouais. Quand on développe un site, on chipote un peu, on teste, on fait des erreurs. Et tu crois vraiment que j'ai tout en fait, non, mais. Ah, c'est du boulot de gérer un site web. C'est pour ça qu'il faut voir aussi, soit Là. on reste sur un site basique, et en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on se lance avec un site essentiel, on démarre avec un site basique, et puis à un moment, on veut vouloir l'améliorer parce qu'on voit des sites plus complexes à gauche, à droite. Et la question, c'est du coup, est-ce que je suis prêt à investir du temps pour mettre à jour un site un peu plus complexe? Ici, je fais un exemple avec une. Est-ce que je vous partage l'écran en fait, Gilles? Oui, moi je vois, ouais. Okay. Voilà, ici, j'ai juste changé ça, cancel. Waouh! C'est sympa le site du clan transition avec celui-là. T'as du coup ça, t'as tes C'est menus, quand même, voilà, comme ça. c'est la commune la plus verte ou c'est pas la commune la plus verte? Ah Hein? voilà. Là, Franchement, il fallait bien bosser la vie, quoi. moi, c'est la commune la plus verte. Voilà, Oui. la forêt de soigne. Marche Voilà bien. du coup quelques éléments sur comment Je peux suggérer quelque chose aussi, si vous voulez. Je t'envoie par le chat le site d'une page qui n'est pas publiée chez nous, qui est donc juste en prévisualisation. Je ne sais pas si elle est accessible du coup pour toi. En fait, c'est une page où moi j'ai fait des tests techniques. Donc tu vas trouver une vidéo YouTube intégrée pour vérifier comment j'intègre un truc YouTube. Tu vas trouver un diaporama Google Photos, des trucs comme ça où on a chipoté, chercher un peu différents outils. Par exemple, Google Photos, tout ce que j'ai trouvé comme info technique, c'est toujours, c'est pas possible, c'est pas prévu pour, tu peux pas intégrer directement Google Photos. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui détient un petit outil qui apparemment va le chercher en JavaScript toutes les photos et qui les remet sur ton site comme un diaporama, quoi. Donc, Ah ouais. il y a des trucs intéressants. Ça vaut le coup de, tu vois, pour chercher, quoi, pour voir ce que tu trouves comme solution, Génial. d'avoir une page comme ça. Est-ce que tu peux partager ça peut-être sur le groupe Agora, outil IT, comme ça tout le monde profite de... Ouais, là je t'ai mis dans le chat, là j'ai mis l'adresse. Donc la page j'ai pas publié parce que c'est vraiment une page de test, mais j'ai mis l'adresse en preview. Tu la vois? Ok. Mais j'ai Dans juste le du chat? mal à trouver le chat quand j'enregistre. Et je crois que ça part un peu en vrille, j'ai trop de Ah trous mince. verts. Donc comment il faut que je fasse pour que tu la vois? C'est sur votre site, sur votre site. Oui, mais comme elle est pas publiée, tu risques de pas. Je peux te Dis lire donc. l'URL, mais c'est pas. Pas très facile. Non, mais je vais la retrouver parce que je suis en fait admin de tous vos Ah sites. oui, bah dans ce cas-là, tu regardes les articles que j'ai publiés moi, Gilles, il n'y en a pas beaucoup, et il y en a une, c'est une page de test. Ok, donc. Comme pour tous les sites, WordPress et WP Admin, l'adresse pour gérer, aller sur l'interface admin, je clique sur tous les articles, et sans doute que Ouais, parmi les 22 articles, voilà. si vous cliquez sur Gilles, tu vas tout de suite voir, voilà, test divers. Le premier. Et donc je vais dans aperçu, parce que j'ai pas envie de l'éditer, mais. Et donc ici, c'est un exemple, en effet, avec des vidéos YouTube, des tests, On a eu une interrogation, on d'Instagram. avait par exemple, on voulait pouvoir uploader facilement des photos qui soient grosses. Il y avait une limitation dans la médiathèque. Et du coup, au-dessus, la photo que j'ai mise, c'est une photo de 4 mégas ou un truc comme ça, quoi. Génial. Et alors, ce qui serait vraiment utile, c'est que tu partages de l'info sur le site Agora. Comme ça, ceux qui ne suivent pas ici nos échanges pourraient bénéficier de ce que tu nous échanges. C'est cool.
Ok, après ça, on peut peut-être créer un groupe dans Outils IT, mais sinon c'est des astuces. Les astuces, c'est presque plus du WordPress qu'autre chose. Pardon? Je veux dire, c'est juste des astuces. Tu penses que le groupe le plus adapté, c'est Outils IT? Outils IT, oui. Ok. Très chouette, et du coup, en effet, ça nous permet de voir comment intégrer plus de choses dans les sites. Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la partie je suis perdu. Gestion de l'apparence du site. Je regarde la question. Sylvie, Anne. Bienvenue à Maroussia aussi. Maroussia, tu peux mettre un petit mot dans le chat si tu souhaites nous dire d'où tu es et si tu as des besoins. En termes de soutien, sinon, si tu as un micro, si tu peux dire coucou. Et sinon, comme Anne et Sylvie, qui sont des gestes. Ok, je vais arrêter la vidéo ici. Ah, encore juste une petite question. Sur le site est en transition, il y a eu un moment, j'ai chipoté dedans. Et du coup, quand on arrive dessus, sur le site, on arrive sur. Ben voilà, tu n'as pas une ligne. Et comment faire pour qu'on arrive sur. L'accueil. D'accord. Comment on fait pour dire, je veux que ce soit sur cette page-là qu'on arrive et pas sur le... Donc là, j'ai cliqué sur personnaliser, qui est souvent... je me perds. Alors, personnaliser, souvent... Je cherche. C'est ailleurs, alors c'est pas ici, mais je retourne dans l'admin. Non, c'était pas sur. Et c'est dans genre. Dans le tableau de bord. Réglage. En général, c'est lecture, je crois. Soit général, c'est dans lecture. C'est dans lecture. Donc la question, c'est comment. Voilà. Ici, est-ce que la page d'accueil affiche les derniers articles et je veux qu'elle affiche une page d'accueil qui est... C'est pas titre. C'est pas titre, de, numéro 2. Ok, on va voir ce que ça donne ici. Pour une question importante... La page d'accueil. Voilà, on y arrive. Okay. Il faut vraiment chipoter. Il faut poser des questions aussi dans l'agora. Voilà. Je vois enfin. On voit Sylvie qui écrit un petit message. Salut Maroussia. Maroussia qui connaît Sylvie. Et Sylvie, question sur la carte Google intégrée. Google met apparemment un nombre limite au nombre de cartes possibles. Mais quand le quota est atteint, que faire? Y a-t-il d'autres outils pour intégrer les cartes? Est-ce qu'on ne ferait pas un petit moment carto? Ouais. C'est une excellente question. C'est reparti, mesdames et messieurs. Voilà, bonjour à tous. On est toujours dans ce moment d'échange entre acteurs d'initiative de transition sur les outils web. Et là, Sylvie me pose une question sur la cartographie. Alors, on a une grande nouvelle à vous annoncer. C'est pour les autres transitions, on travaille avec d'autres acteurs sur la cartographie. C'est vraiment une thématique super importante. Il y a plein d'initiatives de transition qui nous demandent des outils pour pouvoir afficher des cartographies. Excusez-moi. Et bonne nouvelle, c'est qu'on a démarré le développement d'un outil qui s'appelle lacartedetransition.be. Et je vois juste que je ne partage pas mon écran avec nos amis. Voilà, je clique sur share. Voilà, la carte de transition. Merci, Sylvie.
Carto.umap. Donc, Umap nous dit Anne, c'est un super outil de Carto qui est dans la famille OSM qui est OpenStreetMap qui est le Wikipédia de la Carto. Donc, c'est sûr que c'est génial, Umap, pour créer ses propres cartes. C'est une super alternative à Google Maps. Mais ici, l'idée, c'est que avec la carte de transition, on veut une carte collaborative qui fait que plusieurs initiatives puissent afficher, éditer, créer des points et que les points qu'ils rajoutent soient présents sur une carte globale. Et donc ici, c'est la carte globale, c'est un travail en cours. Hein. Il y a déjà pas mal de points, mais il manque encore pas mal de choses ici. Et je peux juste vous demander de couper votre micro. Il y a un petit effet Larsen, je ne sais pas si c'est chez Sylvie. Merci. Oui, je crois que c'était ça. Et donc, voilà la carte avec un exemple des points à Bruxelles. Si je cherche, par exemple, tout ce qui est collectif citoyen, je clique à gauche et je vois, magnifique, on va aller ici, on voit qu'il y a plein de trucs à Uccle, et notamment Uccle en transition, qui est présent. On voit une description avec une petite image, mais ça ne marche pas. Voilà, on voit d'autres collectifs, comme Uccle n'est pas un enfer tranquille. Je vais maintenant aller sur le site d'Etherbeek en transition. Etherbeek en transition qui a commencé à utiliser l'outil la carte de transition et qui a choisi, comme Uccle en transition, on verra après, d'afficher la carte sur son site. Et donc, carte de la transition à Etherbeek. Dans notre site, Magie, il y a une carte qui ressemble drôlement à la carte de transition et c'est la carte de transition. Je l'ouvre, elle est focusée sur Etherbeek. Et je peux voilà, découvrir un certain nombre de points. Et n'importe quel utilisateur peut proposer des modifs. Et donc, on bénéficie vraiment d'intelligence collective. Il faut, et pour avoir une carte qui est de plus en plus complète, de plus en plus à jour. Donc, les gens peuvent ajouter un acteur. Et donc, je répète, dès qu'on va faire une modif ici dans la carte d'Etherbeek, eh ben, automatiquement, les modifs seront répercutés sur la carte de transition. On est aussi en contact avec le Transiscope. Et d'ailleurs, les gens qui font GoGoCarto, qui est l'outil qu'on utilise pour la carte de transition, sont aussi pas mal de gens en France qui sont en lien avec Transiscope, qui est soutenu par Colibri. Il y a plein d'associations en France qui travaillent voilà, sur des outils communs en termes de carto. Et donc, sachez que toutes les modifs que vous ferez sur votre carte seront répercutées à terme dans d'autres cartes. Et donc, ça vaut vraiment la peine d'utiliser cet outil et de l'intégrer dans votre site. On travaille aussi sur un projet important qui s'appelle InCommon. C'est un projet entre autres bruxellois, mais avec un développeur à Berlin pour l'instant. Un projet aussi open source qui vise à soutenir le développement des communs et il y aura des liens avec la carte de transition. Alors, pour terminer d'illustrer cet outil de la carte, on va Uccle en transition. On va aller dans leur section carte de la transition à Uccle. Et oh magie, elle n'apparaît pas. Elle apparaît. Ouf, elle apparaît et du coup zoomer chez eux et c'est le même principe qui est tombé en transition. Alors vous allez me dire très chouette, mais comment est-ce que moi je fais pour intégrer la carte chez moi? Eh bien, on va prendre Gilles par exemple. Désolé, hein, ça fait fort bruxellois. Mais on va sélectionner une zone. Ouais, de Wezenbeek Open. Rainem par exemple. Ouh là là, mon PC RAM. Servir online. Voilà, on disait que c'est cette vue ici. Voilà, Wezenbeek Open, on voit qu'il y a encore des points à rajouter. Hein. Et donc, on fait, disons que c'est cette vue-ci qui m'intéresse, je clique sur partager. Partager comme iframe, je peux du coup sélectionner la largeur, la hauteur, et j'ai un code que je vais simplement copier-coller dans mon site web. On fait un test, Gilles, sur ton site web? C'est OK pour toi? On ne t'entend pas, mais on a vu tes lèvres qui disaient oui. J'ai coupé mon micro, désolé. Pas de soucis, merci. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test. Alors, typiquement, une carte, ça peut être dans un article, si on veut faire un article, par exemple, uniquement sur la mobilité, mais ça peut être, en général, la carte des acteurs de transition sur votre territoire.
Et donc là, je vais créer une page. Pour aller plus vite, je vais sur créer une page. Merde, hop. Créer une page. Et alors là, je vais rajouter. Voilà, c'est du code. Je me demande s'il avait rajouté bêtement comme ça un paragraphe, que ça aurait fait. Voilà, en tout cas, je fais un preview pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas ça. Hein. Non, il fallait HTML. bon. Je cherche le bloc costume HTML. Custom, pas costume. Ah voilà, elle apparaît bien là. Comme par magie. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un peu étroit. Moi, sur une carte, j'aime bien respirer. Donc déjà, on va retirer ça ici. Et donc, ouais, ok, ça aussi je retire. Et alors, comment est-ce que je fais pour avoir toute la largeur? C'est en fait dans le document, voilà, sidebar layout, no sidebar, je veux pas de sidebar. Alors, voilà, Gilles, je me permets de la publier et tu les passeras après. Mais voilà, maintenant, génial, sur. Je crois que j'ai quand même fait sous forme d'article. Je me suis peut-être planté en cliquant sur créer page. Mais voilà, on voit leur carte. Et si on veut qu'elle soit plus large, ben, c'est assez simple. Oui, je vais mettre largeur 1200 et une hauteur de 800. Vous voyez ici dans le code, je modifie ça. Je mets à jour. Voilà comment en quelques clics rajouter une carte sur votre site. Et c'est aussi une invitation à vous joindre à la carte d'exposition, à peut-être créer une équipe pour cartographier votre environnement, en sachant que on est aussi en contact via InCommon avec des gens comme le RCR, le réseau des consommateurs responsables, qui ont une super carte avec Douai, de Bruxelles et plein d'autres gens. Et donc voilà, tout temps que tu passes sur la carte d'exposition est un temps bien investi parce que les données générées seront répercutées sur d'autres sites. Et Je donc, regarde. Oui. si j'ai bien compris, tu t'es positionné donc sur le site de la carte la carte de transition.de, tu t'es positionné sur The Back Open qui génère une URL spécifique pour être centré dessus. C'est ça? Voilà. Exactement. L'URL qu'il génère, il tient ta vue. Tu peux dire est-ce que tu veux sélectionner juste un sous-ensemble de catégories ou pas. Tu as une petite config. Et puis juste copier-coller ce code-là. Ah voilà, on voit ici Anne qui ont fait une carte des bacs potagers mise en ligne sur le site de la commune. Génial. Si tu veux nous donner le lien, comme ça on pourra regarder Anne, c'est cool. Mais on imagine, tu vois, l'avantage, si à un moment vous passez également sur la carte de transition, c'est que bah, du coup dans votre zone, eh bien, où, Anne, on ne sait plus, Anne, ah oui, c'est pour passer. Oui, tout à fait, là, elle l'avait mis au début. Donc, je vais mal l'orthographier, je crois qu'elle est tirée. Voilà, on est sur le Pont-à-Celle et pour l'instant, on voit un point, c'est leur initiative de transition. Génial, super. Mais du coup, on pourrait imaginer, donc on cherche, nous, uniquement les bacs potagers. Alors, si on va dans, ce serait quoi? Nature. Potager, voilà, poulailler collectif. C'est plutôt potager, verger et jardin. Du coup, je regarde en Belgique. Voilà, en Wallonie, il n'y a pas encore beaucoup de points qui sont présents. Il y en a ici les jardins d'Arthez, potager des combattants, ça c'est à Ottigny-Louhanneuve. Et on voit qu'à Bruxelles, on a été piqué dans, ou plutôt on a collaboré avec d'autres acteurs pour avoir leurs points. Et il y a pas mal de potagers à Bruxelles.
Mais du coup, les points sur lesquels Anne aurait travaillé seront aussi disponibles et visibles sur les autres cas et sur les sites d'autres acteurs de transition. Et du coup, on va cliquer sur le lien de Anne. Génial, qui ont intégré ça. Belle collaboration avec la commune, du coup, sur le site de la commune. Très chouette. Alors, sur GoGoCarto, vous pouvez aussi créer en quelques clics vos cartes comme la carte des transitions. Si vous voulez faire une carte spécifique qui n'a pas vocation à être partagée avec d'autres collectifs, c'est une alternative. Mais j'imagine, Anne, que vous avez utilisé UMAP, ce qui est excellent comme outil. Bon, ma connexion est vraiment méga lente. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les outils de Carto? Tu disais sur la carte qu'on est dessus et qu'on veut avoir la carte sur plein de pages. Ah, ben dans ton thème, pour l'instant, il ne t'avait pas de carte. Ah, oui, c'est ça. C'est vraiment pas le bon thème. Donc, en effet, cette possibilité d'avoir sur son thème une colonne à droite et sur une page pas de colonne à droite, ça peut dépendre du thème. Okay. Ben, Anne, ça charge très rapidement chez moi. Voilà, je vais couper l'enregistrement après et on invite tout le monde à aller sur pontacel.be/service au pluriel nature-et-environnement pour voir que vous avez fait, c'est cool. Voilà. Hop là. Je suis sur la page et je crois que c'est il faut cliquer sur transition pour voir une carte. Je ne sais pas si c'est celle-là exactement. Il n'y a pas que des pages potagers, il y a aussi d'autres trucs. Ah bah oui, mais on s'était vu à la manif. Hein. Ah voilà, super. C'est chouette. Bon, ici la carte. Là, je vois Anne qui. Oh. Oui, Pontacel, oui, avec UMAP et beaucoup de transpi pour apprendre. C'est ça. Vous êtes à l'ouvrir à tous. Et donc, je vois bac potager, boîte à livres extérieur, boîte à livres intérieur. Si là vous avez fait du gros boulot, on sait ce que c'est de cartographier, Solène sait ce que c'est de prendre du temps de cartographier. Si vous voulez facilement transvaser ces points sur la carte des transitions, vous pouvez exporter les points dans un CSV ou quoi et me l'envoyer à info@transition.be. Et nous, on peut faire le transfert des points sur la carte des communs si vous souhaitez. Donc, Anne, si ça t'intéresse, qu'on puisse bénéficier de ça, il faudra un export, comme on a fait avec UP en transition. Alors, 15h18, je vais lister les sujets, et vous pouvez aussi rajouter dans le chat des sujets. Il reste la thématique des blocs, qui est à mon avis vraiment importante à traiter aussi, dans WordPress. Une question plus spécifique de signature qu'on pourra peut-être voir à deux, Gilles. Le calendrier et des outils statistiques. Je regarde dans le chat. Est-ce que Sylvie, Anne et Marussia ont des questions? Je vois Sylvie qui... Ah oui, calendrier et Timely. Ouais. Vous, Sylvie, vous utilisez Timely? Mon temps là? Ouais. Ah ben voilà. Non, on n'utilise pas Timely, mais on a des problèmes à créer des événements récurrents et à gérer le calendrier en général. Donc, voilà, on voulait voir si Timely serait une alternative acceptable. Ok, merci. On peut en parler, sinon, peut-être qu'on ne maîtrise pas bien le calendrier aussi. Ok, tu peux rajouter. Ah oui, le calendrier, c'est dedans. Ouais. Eh ben, on va faire les blocs et puis les calendriers. Et Marussia et Anne, on voit qu'elles sont à l'écoute. Je vais fermer un peu de fenêtre là, parce que on manque d'air ici.
Et donc, j'ai envie de voir. Ah oui, on va faire les blocs. Voilà, bonjour à tous. On démarre avec une petite vidéo dans le cadre de ces échanges de savoir, de bonnes pratiques avec des outils informatiques pour vos initiatives de transition, avec la question de la gestion des blocs dans WordPress. Voilà, ici j'ai un article Énergie et coopérative. Voilà, je vais le modifier et c'est quand on modifie une page ou un article qu'on a accès à cette nouvelle fonctionnalité de WordPress qui est la fonctionnalité des blocs. Alors, il faut savoir que WordPress, il y a eu plein de discussions en interne, plein de gens qui étaient hyper en faveur, plein de gens qui étaient hyper tristes quand ils ont fait ce passage à la gestion en bloc. Mais je pense qu'ils vont pas faire marche arrière. Et donc, ils utilisent ce système de blocs en disant qu'un site web doit être autant lisible sur un ordinateur, un laptop, une tablette ou un smartphone. Et donc, ils imaginent la gestion ou la l'organisation d'une page selon un certain nombre de blocs qui seront redistribués en fonction du dispositif utilisé. Donc, si on imagine qu'on a un espace large, ben, ils vont mettre les photos les unes à côté des autres. Si quelqu'un prend le même site web sur un smartphone, ben, les photos vont se mettre les unes en dessous des autres. Et donc, d'où ce concept de bloc pour avoir un effet visuel joli sur un max de dispositifs. Et donc, comment ça se passe? On voit un premier bloc. Alors, ici, comme c'est un article qui a toujours été écrit avec l'ancien WordPress, c'est un bloc classique. Mais d'habitude, je vais me permettre juste de... Je vais créer un nouvel article. Comme ça, je ne vous dis pas tout le site de Gilles. Voilà, on va faire plein d'exemples dans un article, test bloc. Personnellement, moi, je suis fan de cet outil bloc, même si je comprends qu'il fait un peu peur. Et donc, je crée une page test. Alors, je test bloc. Bloc. Et donc, je vais faire un premier paragraphe qui est du texte. Et en fait, ça, c'est un bloc qui s'appelle paragraphe. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Ah, oui. Voilà, et à mon avis, voilà, après je vais mettre une photo. Mais, et donc j'ajoute ici, je vais mettre une photo, une image. Donc je clique sur l'image, je vais dans la Media Library, et je choisis cette jolie photo ici. Donc j'ai mon texte. C'est vrai que vous, je vois que vous avez l'ancien module d'écriture. Et puis, je vais rajouter un nouveau bloc. Et je peux aussi cliquer ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment faire, du coup, un titre. C'est important. Titre. Et alors, souvent, dans l'espace de droite, je peux configurer le bloc. Ici, je vais faire un titre H4, parce que c'est un petit titre. Si je clique sur l'image... Ben, je peux voilà faire oh, je peux faire un cercle, c'est joli ça. Je peux non, je peux pas. Ça dépend aussi du thème, suivant le thème que tu as. Ouais, parce que moi tout ça je ne l'ai pas. Essaye un peu suivant le texte et donc, le thème que tu as. Donc d'où l'importance du thème dès le début pour avoir accès à des fonctionnalités dans les blocs. Donc ici, j'insère une galerie et voilà, un ensemble de photos. Voilà, et en fait, il y a vraiment beaucoup de blocs. Vous pouvez mettre un quote, par exemple, Solène dit le 10 décembre 2019, blablabla. On va se dire en français, quote, une phrase. Voilà. Voilà, il y a plein de trucs mis en forme, des tables, un verse, quoi.
Et tu peux mettre un texte à côté d'une image, dans le même bloc? Oui, il y a aussi ça. Regardez, Common Blog, les blocs communs. Il y a un bloc qui permet de faire à la fois texte et graphique l'un à côté de l'autre. Et par contre, il n'y en a pas un qui permet de faire l'un en dessous de l'autre. C'est ce que je cherchais sur la miniature. Donc, j'ai tapé texte et ici, on a fait le médiathèque. Et donc, je vais choisir une photo. De nouveau, ce beau papillon. Et ici. Mais je pense que tout dépend aussi du thème que tu prends au début. On regarde ici sur l'ordi de Solène. Donc là, je vais mettre le texte. Non, tu l'as aussi. Donc, bonne nouvelle, Solène a eu leur solution. Ils ont aussi tous ces blocs. Et donc je pense qu'avec les mises à jour de WordPress, vous avez de plus en plus de possibilités. Voilà pour l'aperçu. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde dans le chat. Ceux qui ont le micro peuvent. Pas de questions, Maroussia. Mais ça, c'était il y a 7 minutes. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon. Ma question sur la signature, en fait, c'est une question bloc. Hein. Parce que là, tu vois, dans le bloc que tu viens de faire. C'est un bloc où tu as à la fois une image d'un côté et du texte de l'autre côté. Et pour mettre une signature, que je voulais donc écrire le nom de la personne qui avait signé l'article et juste en dessous mettre l'adresse email de la personne, pour que l'adresse email ne puisse pas être exploitée par des bots, je voulais que ce soit une image, mon adresse email. Et il n'y a pas de bloc qui soit fait pour être du texte et de l'image ensemble, si tu veux, dans le même paragraphe. Ce qui fait que tu as un espace de paragraphe qui est très large, entre le nom de la personne et l'adresse email de la personne. C'est vraiment, enfin, c'est un détail esthétique, si tu veux. Mais je me demandais, du coup, de manière plus générale, il n'y a pas beaucoup de souplesse dans la configuration des blocs, des espaces interblocs. C'est pas évident à trouver, je trouve. Bon, là, si tu veux vraiment faire ça, soit tu peux faire du code, HTML, du coup. Parce que c'est un truc un peu. Donc, tu fais nom, et puis tu fais, c'est quoi break line, et puis là tu fais. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. J'ai essayé un break line exactement, et j'ai pas réussi à avoir l'image au bon endroit. Voilà, là tu mets. Normalement, moi je ferais ça comme ça si tu veux. Ok. Je vais juste tester, c'est ça, là, je sais plus en HTML, mais je pense que c'est ça. Voilà, c'est. Ah, mais de nouveau, je me suis trompé. Je voulais rajouter du code HTML, mais là, il pense que je veux rajouter du code. Que je veux communiquer du code, en fait. Et donc, je mets à jour. Donc, c'est custom HTML qu'il faut prendre? Parce que je pense que j'ai dû essayer de triturer de modifier le HTML, et en fait, j'ai pas du tout obtenu un résultat avec une modification. J'ai dû avoir le texte, le code du HTML, mais c'était là. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, mais ça, on pourra regarder après si le Gilles a cette question. Pas de problème. Ok. On va passer à la question suivante. Et voilà, on redémarre avec une question sur les calendriers. Alors, l'idée, c'est vrai que sur le site du réseau de transition, il y a un calendrier. Est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'il marche à moitié? C'est que dans le calendrier, automatiquement, on insère les calendriers de vos initiatives. Et donc, ça marche pas mal, mais on a un souci parce que le module est devenu payant et on doit payer des millions de dollars pour afficher plusieurs calendriers. Et donc, il y a souvent une alternative, mais là, pour l'instant, voilà, on voit que Excel, les trucs de WAF, on voit ici 1000 Bruxelles. Et donc, en fait, sur les premiers,
Voilà, il y a quelques initiatives où ça fonctionne. Voilà, mais on reste en bref transition, quelques-uns. Et donc, on veut continuer à développer ça pour pouvoir avoir tous vos calendriers. Mais du coup, vous, dans vos sites, vous avez un agenda, et c'est déjà le bon module. Et voilà, ici, on voit leur agenda, c'est en fait le même module. On peut avoir différentes vues. Voilà, du mois, machin. Et puis, en fait, créer en interne à chaque fois un petit article par activité. Et du coup, quelles sont vos questions par rapport aux articles? Levez la main si vous avez une question. Moi, c'était une question plus spécifiquement pour les événements récurrents. D'accord. Donc, c'est dans le tableau de bord qu'on va pour créer des événements. Alors, c'est vrai qu'il y a deux modules. Je crois que c'est Event. C'est Event, oui. Oui, quelle est la différence entre les deux d'ailleurs, Event et WP Event? C'est deux outils un peu différents et je crois que certaines initiatives utilisaient Event et du coup on garde. En fait, je pourrais retirer le module WP Event, mais j'ai peur que ça pénalise certaines initiatives qui l'utilisent. C'est un peu embêtant tout ça. Donc. Oui, le savoir, hein, en fait. Que ces deux hein? outils complètement. Il suffit de le savoir que ces deux outils complètement indépendants l'un de l'autre, en fait, et qui sont disponibles parce que historiquement, il y a eu des sites qui utilisaient l'un ou l'autre. Ouais. Et donc, ici, c'est un événement suivi qui va avoir lieu chaque semaine. C'est OK? Qui démarre aujourd'hui à 3h d'après-midi et qui termine à 3h32. Et donc ici, je fais repeat. Et là, soit daily, soit weekly, c'est ça ce que je veux chaque semaine, et répéter chaque semaine les mardis. Et soit ça ne s'arrête jamais, soit je dis, bah, ça s'arrête en juin, quoi. Ou ça s'arrête le 1er juillet parce qu'on sera en vacances. Voilà. Et du coup, cet événement-là, sur le site de Wokra, il sera visible. On est en train de bousiller votre site, hein, Gilles. Voilà, c'est dans l'agenda. Je tombe sur test et on voit qu'il apparaît un peu tout le temps. Et donc, je m'empresse de l'effacer. Est-ce que ça a répondu à tes questions, Sylvie? Et il y a moyen d'éditer l'un, enfin, les différentes instances séparément. Ou de rajouter un commentaire dans l'un et pas dans les autres, par exemple. Donc, si tu as un événement. Je vais tester. Ouais, je ne sais pas très bien comment ça se passe. C'est vrai que si tu as un commentaire dans l'un. Bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les calendriers? Ouais, si tu vas, retourne donc sur notre page et dans le calendrier. Si tu vas dans le calendrier, tu vas voir que en bas, il y a la possibilité de partager son calendrier, ce que je trouve très très pratique, au point que ouais. J'ai fait un article pour expliquer comment on pouvait partager le calendrier et comme ça met à jour le calendrier sur ton outil personnel de calendrier et qui sait en permanence ce qui arrive certainement. Et là, ce menu-là, il est entièrement en anglais, ce qui est un détail, mais qui est plus général, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la main pour paramétrer l'outil de calendrier. Ok, je vais juste regarder sur l'admin si je peux faire quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est la configuration du Timely. Et à voir aussi si vous n'avez pas moyen de régler ça.
Events. Donc là, je suis chez vous, hein, dans la ville en Ouais. Septine. Et donc, Event fonctionne avec Timely, on est bien d'accord, hein. Ouais, en fait, c'est timely, oui. Et le, alors, Tiny, par exemple, j'avais posé une question sur le Forum Agora-Kit outil IT, parce que tout d'un coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à être déconnecté, en fait, dans Event, on n'avait plus accès à nos événements. Il a fallu créer un compte chez Tiny pour pouvoir à nouveau avoir accès aux événements. C'est possible. Ils sont, c'est eux qui m'embêtent un peu, qui augmentent leur prix et qui. Donc c'est un chouette outil. Et puis voilà, d'année en année, ils vendent de plus en plus cher. Ah, d'accord. Et donc c'est eux qui font évoluer leur outil. C'est chiant. Par rapport aux langues. Va sur le site du réseau. Et puis après, on pourrait échanger sur l'Agora si je ne trouve pas la réponse maintenant. OK. Est-ce que nous, j'avais essayé à configurer ce site du réseau, parce qu'on utilise aussi Timely. S'abonner. Ouais, donc moi j'avais essayé à configurer ça. Donc, Ah, il y a super. moyen. Ok. Tout n'est pas perdu. Tu n'es pas perdu. Ne réponds pas encore à ta question, mais est-ce que il y a d'autres questions? Non? On va s'arrêter là? Je peux abuser Sur les juste. calendriers, hein. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de mettre des couleurs différentes pour des événements? Je t'explique sur Waterloo en transition, par exemple, utilise Teams Up pour les différents sous-groupes de leur initiative. Et je vais t'envoyer le lien de leur agenda. C'est très sympa. Pour répondre à ta question, tu vois qu'ici, on a plusieurs couleurs, même si c'est peut-être pas aussi sympa que leur. Et pourquoi, comment est-ce qu'on fait ça? On a différents. Ah, c'est couper ton micro, ça fait Sylvie? Ou bien diminuer ton basse. Alors, en fait, on a plusieurs catégories. Et donc, c'est quand tu définis des catégories, par catégorie, tu peux attribuer une couleur. OK? Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Oui, On du va coup, j'ai. retourner chez Vokra. C'est tu vois où c'est? Mais je pense que c'est Ah dans oui, Event voilà, Organizer. Organize, oui, tout à fait. Donc après, tu peux mettre des couleurs ici. C'est pas mal. Voilà, et là tu peux donc créer des catégories, et puis pour chaque catégorie, tu vois que tu as un truc color, tu peux avoir une image de plus par catégorie. Donc ça, c'est sympa. À un peu jouer avec, mais c'est comme ça que ça se passe. Ok, Sylvie? Ok, je vois une question dans le chat. Ah voilà, Sylvie qui a partagé ça, qui note. Ben voilà, excellent. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de ce style-là. C'est sans doute moins joli, mais on peut vraiment presque y arriver avec Timely, en tout cas au niveau des couleurs. Et il y a moyen de configurer plein de trucs, hein, si tu veux t'amuser. Tu vois, dans cette ligne. Je ne sais plus où j'ai vu ça tout à l'heure, mais Team Option. Voilà, général, les couleurs de boutons, les machins. Tu peux quand même aller assez loin dans la config de ton calendrier. Voilà pour la partie. Ah, Sylvie qui a posé une autre question. Sylvie, on t'écoute. Non, je disais merci. De rien. On va clôturer cette partie sur le calendrier. Alors, Gilles, tu as une question sur les outils de stats. Comment ça se passe pour l'instant? On avait eu cette discussion-là.
Est-ce que je n'avais pas mis l'extension? Vous n'avez pas d'outil de gestion de stats pour l'instant? Nous, on n'en a pas pour le moment. Avec ça, Google Analytics? Je me sens plus, ça se trouve, je l'ai testé parce que j'ai testé Google Analytics à un moment. Je recheck, hein. Donc, ouais, il y a Google Analytics pour l'instant. Ouais, c'est ça. Tu vois, pour éviter de rajouter encore un élément, mais plus que sur. Il y a encore un nouveau menu à gauche. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Et nous, par exemple, c'est chiant, hein, mais au réseau, on avait essayé un autre outil pendant tout un temps. Et puis le bazar s'est pété la gueule. Et voilà, pour ces trucs-là, Analytics reste quand même super robuste, même si c'est Google et qu'on peut bien imaginer que vous n'avez pas envie d'être chez eux. Je pense qu'il serait possible que vous utilisiez d'autres outils de stats. Et puis après, comment faire en sorte que chaque page appelle un petit code, en fait? Mais c'est sans doute dans. Ça, je l'ai fait. C'est sur ma page de test, par exemple, j'ai ajouté un petit compteur. J'ai regardé plusieurs sites qui proposaient des compteurs et sur lesquels tu n'avais pas forcément besoin de créer un compte avec un gros truc, avec du suivi de données, des choses comme ça. Juste le tapage appelle le code du site en question et ça incrémente le compteur, quoi. Ouais, tu pourrais faire ça, mais je crois que du coup, il faudrait quand même éditer. Le PHP du site, et ça, c'est vrai que vous n'avez pas l'option. Même si, ouais, non, par CSS, c'est pas suffisant. Donc voilà. Pour l'instant, on est coincé avec Google Analytics. Ouais, ok. Eh ben, je vous écoute. Et on voit ici une question dans le chat. Super. Ces infos. Cool. Merci, Anne. Eh ben, il reste encore un quart d'heure. Allez-y, lâchez-vous. On va aller sur le site de Sylvie. Petit point d'organisation, je vais vous quitter dans 5 minutes. Nickel, Gilles. Et voilà, le magnifique site de Brennaleu. Très chouette. Ah, ben, c'est drôle. Moi, j'ai, je suis allé sur brennaleu.org. J'ai sans doute un petit souci parce que je suis en même temps logué, je sais pas quoi. Moi, je vois pas toutes vos images. Ah, merde. Sauf s'il n'y a pas de questions et on se quitte ici. Plus d'autres questions? Non, voilà. Je pense que je vais. Chipoter maintenant pour voir un peu comment améliorer tout ça. J'ai encore une petite question. J'ai oui. Vu tester le fait de modifier le site depuis une app sur un téléphone ou sur une tablette. Et en fait, il y a une app WordPress, donc j'ai supposé que c'est pas qu'il fallait que j'utilise. J'ai pas réussi à me loguer, mais j'ai fait juste un petit essai. Je voulais savoir si c'était un truc connu, si tu avais déjà essayé. J'ai déjà utilisé pour un site perso. C'est pratique quand tu voyages et que tu veux prendre des photos et puis vite publier un petit truc. Mais j'ai pas testé avec l'environnement multi-site. Donc okay. À voir. Okay. Sur outil IT, je peux poser une question, quoi. Mais je crois qu'il faut quand même configurer un truc dans l'interface, dans réglages, quelque part. Dans réglages, genre lecture. Et donc, très beau, hein, Sylvie, votre site. Ça
fait un petit temps qu'on ne l'a plus mis à jour, donc on va essayer de le rafraîchir un petit peu quand même. Et alors, en attendant que ça charge, est-ce que vous êtes tous bien sur la carte des initiatives de transition du réseau de transition? Parce que la carte de transition elle-même appelle une carte qu'on développe avec la transition France et Suisse. Et du coup, veuillez bien checker si les infos qui sont mises sur cette carte-ci sont correctes, qui est aussi une carte Google Carto. Parce que on a rajouté du coup plein de fonctionnalités pour décrire votre initiative. Je prends un exemple ici. Je voyais Brenaleux. Voilà, Brenaleux. Super, on voit ça. Plus d'infos. Voilà. Brenaleux, je pense, a plein d'activités. Et donc, vous pourriez, Sylvie, tu peux aller sur donc réseau transition, la carte des initiatives, et puis ici, modifier des points et dire bon, on a aussi un hypercafé, on fait de la méditation. On travaille sur les thématiques mobilité, lien social et blablabla. Et comme ça, les gens qui vont sur la carte auront des infos un peu plus à jour. Vous pouvez mettre votre site web, des trucs comme ça. Tu vois comment faire, Sylvie? Je ne vois pas comment faire, mais je vais me plonger dedans. Là, sur le site de transition, la carte des initiatives. Et puis ici, tu fais modifier. Tu cliques sur ton compte et tu fais modifier. Et tu seras... invité ou bien si tu cliques ici sur ce lien-ci, tu ouvres la carte en grand. Ouais, tu peux te rajouter là si jamais c'est. Mais toi, c'est bien modifier un point, donc tu cliques sur ton point et tu cliques sur modifier. Je vois un petit cas. Parfait pour moi, reste à mettre en pratique. Nous avons un blog poussiéreux et un groupe Facebook. Je vais migrer vers d'autres outils. C'est Anne qui nous dit ça de. Pontarcel, c'est ça. Voilà, dernière question. Est-ce que vous voulez réorganiser un moment comme ça? Et si oui, dans combien d'années? Ou dans combien de temps? Combien de mois? Combien d'heures? Qui exprime son besoin potentiel? A priori, moi je pense que j'aurai besoin dans quelques semaines, quelques mois, parce que je vais travailler dessus. Et ça va probablement amener de nouvelles questions. Donc, je pense que ce serait pas mal de dire fin janvier, début février, par exemple. Okay. Je vois que Anne met ton avis, parce qu'elle propose 3 mois, le temps de faire un essai. Ouais, voilà. Gilles, 3 mois, ça paraît bien. 6 mois, c'est bien, ouais, c'est pareil, pour absorber, faire des essais, c'est bien. Génial. Marussia, elle va voir. Prends le temps et surtout vos questions pour que la transition fonctionne. On est donc bien plein de cerveaux à s'y connaître et à avoir des tuyaux et à s'échanger. Et donc vous allez dans le groupe agora.reseautransition.be/groupe/2 ou bien vous cherchez le groupe IT pour initiative. Et là c'est vraiment ici où vous posez vos questions et tout ça. Ok? Ok. Merci à tous. Merci. Un tout grand merci pour l'initiative, merci. En tout cas. Au plaisir, amusez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, et je vais couper l'enregistrement. Enfin, donnez grand sourire pour reprendre une photo, ça va être cool. Attention, souriez. Merci. À plus. Salut. Salut, salut.